Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolée, je vais avoir la tremblote parce que je tiens mon téléphone à la main. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, un an et quelques mois en plus, après la première vidéo que je vous avais faite, un plan de tour. Voilà, sur mes petites plantes que j'ai à la maison, donc vous en voyez déjà là quelques-unes derrière moi, pour vous montrer un an après, qu'est-ce que j'ai encore à la maison. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai perdu pas mal de plantes à cause des grosses chaleurs qu'on a eues. Bon, j'en ai eu des nouvelles depuis. Il y a eu des boutures, donc je vais vous dire lesquelles ont été bouturées. Et puis, voilà. Alors, je vais peut-être pas vous dire tous les noms sur la vidéo, mais je ferai mon possible pour vous mettre en incrustation sous la vidéo le nom des plantes. Voilà, ce sera mieux, parce que sinon je vais chercher, et puis voilà. Et comme ça, vous verrez ce que j'ai depuis. En même temps, vous allez voir mes petits osios. Et vous verrez également... tiens, il n'est pas derrière moi. Voilà, il y aura mes toutous, ma fifille, certainement, qui vont venir s'incruster. Allez, on se retrouve tout de suite avec mes petites plantes. Alors, voilà. Alors, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, voilà, ça, c'est ma pièce principale où on rentre. Alors, désolée, là, je suis à contre-jour, mais vous voyez, c'est ma porte d'entrée. Donc, c'est bien la pièce où il n'y a rien de spécial. Enfin, rien de spécial. C'est la pièce où on rentre et où on ne peut pas vivre puisqu'il n'y a pas de place. Donc, ici, principalement, à part ma bibliothèque, un bahut et une table de salon qui n'est plus une table de salon. C'est mes plantes et mes oiseaux qui y vivent. Voilà, donc c'est ma grande pièce d'entrée. Voilà, bon, il y a mon aspirateur, mais j'ai pas de place pour le mettre. Voilà, il est tellement gros. Alors, d'abord sur ma table de salon, que je vous disais qu'il n'y en est plus une, j'ai quelques orchidées qui ont bien poussé depuis. Voilà, là elles sont pas fleuries, hein, mais bon, j'espère qu'elles vont fleurir. Un de ces jours, mais elles ont eu des fleurs, hein, la preuve. Vous voyez là, j'ai des tiges que j'ai coupées. Là aussi, celle-là avait fleuri aussi. Ici, ça c'est une plante à chouchou. Voilà, c'est un ficus bonsaï. Voilà, donc son ficus bonsaï il faisait un peu la gueule. Il avait perdu presque toutes ses feuilles et là maintenant, il est en pleine forme. Voilà. Donc ici quelques cactus. Voilà. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Alors je m'assois comme ça. Ça bouge moins. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a quelques semaines, même pas 15 jours je crois, à Lidl. Voilà. Mais bon, c'est le genre de truc qui ne fait pas tenir les plantes très longtemps. Donc dès que je peux, je vais rempoter, parce que celle-là a déjà pris un coup de jus, comme on dit. Je vais rempoter ça dans des pots un peu mieux, parce que bon, vous voyez, c'est pas très... Puis, hier, j'aurais fait faire un petit peu de trompette quand même. Mais bon, c'est un truc en... C'est pas du bois, hein. C'est un truc en plâtre ou je sais pas quoi, mais bon. Donc ça, je vais le changer de place. Voilà la petite dernière. Alors, hop, viens ici. Hop, que je ne te fasse pas tomber. Voilà, la petite dernière qui est arrivée à la maison hier, avant-hier. Voilà, alors, je ne sais pas si je vais savoir enlever. Mais je vous remarquerai son nom en incrustation. Voilà, donc je l'ai acheté chez Gamme Vert. Bon, j'ai eu pour 5 €, un truc comme ça. Ouais, 5,90 € je crois. Donc, je vais vous marquer son nom en incrustation. Un autre cactus, bon, qui pousse tout doucettement. Ça fait un bon moment que je l'ai, mais bon, il fait sa petite vie, tranquille. Vous voyez, bon, il a poussé de ça, depuis que je l'ai.
Il n'y a pas longtemps que je l'ai non plus celui-là. Ça fait un mois. Voilà. Avec ses belles feuilles. Elles sont un peu dufteuses en dessous. J'aime bien. Il est super beau. Donc lui, ça fait un mois que je l'ai. Donc là, après les orchidées en bas. Donc là, la table, je ne peux plus rien mettre. Mon yucca. Qui avait pris un petit coup de jus aussi. J'ai changé de place parce que bon, il était sur le bahut, puis il aimait pas. Il se trouvait pas bien sur le bahut, donc je l'ai mis devant la fenêtre. Donc là, lui, maintenant, il se trouve bien là. Ici, alors, c'est la même famille, j'arrive pas à dire le nom, mais je vous mets également son nom en incrustation. Donc lui, pareil, il fait sa petite vie. De temps en temps, il me fait une feuille fanée, mais bon. Donc, vous voyez, bon là, il a un petit peu... Mais bon, c'est pas très grave. Donc je le vaporise, je l'arrose. Mais bon, maintenant, avec le chauffage, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, celle-ci. Alors ça, c'est toutes les plantes de cette année. Alors, on va essayer de la tourner pour vous la montrer. Hop, montre que tu es belle. Voilà, elle fait des nouvelles feuilles. Voilà. Alors, je l'ai mis sur la sellette que j'ai refaite. Bon, du coup, on voit pas le dessus, mais bon, c'est rien, moi je m'en fiche. Celui-ci, pareil, il pousse bien. Il me fait des nouvelles pousses. Voilà, il me fait un nouveau bébé là. Là aussi. Donc, vous voyez, il me refait des nouvelles feuilles ici. Il me fait sa petite vie tranquille. Alors lui, je suis super contente. Non, attendez, je vais pousser ça. Alors lui, il a super bien poussé. Alors je vous montre la taille qu'il faisait. Lui, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà la taille qu'il me faisait il y a un an et demi. Et maintenant, il n'arrête plus de pousser. Il continue. Voilà, c'est un euphorbe, voilà, cherchez son nom. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans le contre-jour, et en essayant de ne pas faire tomber mes fleurs, mes plantes. Voilà. Mais alors, lui, il est... Voilà la taille qu'il me faisait. Et il a pris 50 cm en un an et demi. Pour l'instant, je ne le rempote pas, je le laisse continuer sa petite vie. Tant qu'il se plaît, il est bien. Alors, j'ai encore son étiquette, peut-être que son nom est marqué, oui, euphorbe. Alors, c'est un euphorbe. Hop. J'ai les mains pleines de terre, mais ça ne fait rien. Voilà son nom. Euphorbe trigona. Voilà. Alors des fois, quand j'ai encore les étiquettes, je les laisse, comme ça je me rappelle des noms. Ici, derrière la fenêtre, j'ai encore un euphorbe. Alors lui, il pousse tout doucettement. Alors il est énorme. Bon là, désolé, il y a contre-jour, il est à la fenêtre. C'est un que j'avais acheté à Lidl. Mais il me fait sa petite vie. Aussi. Tout doucettement. Là, les langues de belle-mère. Alors, vous voyez, il y a des trucs fanés, là. Parce que cette année, il m'a fait des fleurs. C'est la première fois de ma vie que j'ai une langue de belle-mère qui me fait des fleurs. D'ailleurs, je vais devoir couper les petites tiges de fleurs fanées. Je n'ai jamais eu de ma vie une langue de belle-mère qui m'a fait des fleurs. C'est la première année. Et il me refait des bébés. Donc, pareil. Je suis contente. Désolée. Hop. Ouh.
Ah, ça pique. J'ai mis mes fesses sur le cactus. Alors, lui, il était dans la cuisine. Il se sentait super bien dans la cuisine. Je vous montrerai pourquoi il n'y est plus. Donc, je l'ai remis ici. Il déménage tout le temps. Et là, du coup, il a du mal. Vous voyez, il jaunit. Alors, je l'avais mis un moment à la fenêtre. Alors là, il avait dépéri. Je l'ai vite enlevé de la fenêtre. Il est reparti à la cuisine. Il avait repris du poil de la bête. Là, j'ai dû l'enlever parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc, je l'ai remis ici. Mais il n'a pas l'air de beaucoup s'y plaire. Donc, je sais pas. Bon, je vais peut-être le rempoter. C'est pas la période. C'est pas la période du rempotage. Donc, je ne sais pas. On verra. On va tenter un rempotage quand même. Alors, lui, ici derrière, c'est mon... Non, touche pas la plante. Voilà, mon petit curieux. Touche pas. On peut pas. Alors, lui, il est... C'est mon petit malade. C'est un calendéa aussi. Alors, lui, il a eu tous les malheurs. Il s'est fait manger par Fifi. Donc, j'ai coupé. Là, j'ai plus mes oiseaux qui viennent dedans. Il faut que je le rempote, il faut que je change. Là, il s'est stabilisé. Mais vous voyez, il fait la gueule. Il fait vraiment la gueule. Donc là, je l'ai mis dans le coin pour l'instant. Mais lui, il fait vraiment la gueule. Voilà, il n'est pas content. Donc, il faut que je lui fasse un traitement de choc. Alors, celle-ci, alors elle pousse. Pareil, quand on a déménagé, quand on est arrivé ici, il y a, ça va faire 2 ans, hein, même un peu plus maintenant, je crois. Elle faisait la gueule, elle n'avait pas aimé le déménagement. Et là, maintenant, ça va. Alors, elle avait une attaque de moucherons. J'étais envahie de moucherons sur cette plante. Et maintenant, je suis tranquille parce que pour tuer les moucherons, voilà ce que j'avais fait. Alors, quand vous avez une attaque de moucherons, c'est ce qu'il faut faire. Vous prenez du sable. Alors, du sable qu'on met dans les aquariums ou du sable, vous savez, le sable qu'on met dans les bacs à sable pour les enfants ou n'importe, du sable fin, comme ça. Et vous recouvrez le dessus de votre peau. Une bonne couche, hein, 2-3 cm. Et vous laissez. Moi, vous voyez, ça fait plus d'un an maintenant que le sable est dessus. Ça va tuer les moucherons qui sont dedans. Ça va tuer les œufs. Et vous n'aurez plus de moucherons. Pour n'importe quelle plante. Hein. Vous faites ça. Dès que vous avez une attaque de moucherons, vous mettez du sable sur le terreau. Et vous n'aurez plus jamais de moucherons. Voilà, vous serez tranquille. Et là, maintenant, elle repousse. Bon, là, la plante était trop près des oiseaux, donc ils m'ont grignoté ma feuille, les vilains. Donc là, j'ai repoussé. Bon, de temps en temps, elle me fait un petit Dionys, là. Bon, là, elle ne veut pas pousser. C'est une langue de belle-mère. Elle ne veut pas. Elle est stabilisée. Elle ne veut pas. J'ai beau lui faire tout ce qu'elle veut. Elle ne veut pas. Ici, alors celle-là, elle était énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est une plante qu'on m'avait offerte à mon mariage. Elle continue à vivre. Je fais tout pour qu'elle continue de vivre. Mais là, bon, je m'en occupe. Mais elle était vraiment énorme. Hein. Mais là, bon... On verra. On va lui laisser passer l'hiver et j'espère qu'au printemps, elle repartira bien. Alors ici, vous avez mes nos petites perruches. Alors que c'est les perruches à chouchou. Bonjour les perruches. Monsieur et madame. Alors je ne sais plus qui est monsieur, qui est madame. Montrez vos becs. Ah, monsieur c'est le jaune. Madame c'est la bleue, si je ne me trompe pas. Voilà. Video. Bonjour les perruches. Alors ici sur ma bibliothèque, alors ces deux plantes là étaient dans la cuisine,
Mais chouchou, comme on me disait, bon, tes plantes au-dessus de l'évier commencent à m'embêter. Ben oui, ça tombait, vous avez vu les lianes. Donc, ça tombait carrément sur l'évier. Donc, je les ai ramenées ici. Donc là, un pothos. Hein. Et là, une misère. Alors, ah là là, il y a quelques jours, enfin, il y a 15 jours maintenant, elle était au mur. Là, vous voyez, il y a un petit trou ici. Et puis, la croche s'est cassée la binette. Et le pot est tombé par terre. Heureusement, il n'y a qu'une seule branche qui s'est cassée, que j'ai récupérée. J'ai fait une bouture avec. Je vous la montrerai après. Heureusement, ça ne s'est pas cassé plus. Donc, je l'ai sauvée. Et là, bon, maintenant, j'ai mis sur la bibliothèque. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça descend pas mal, hein. Elle est toute belle. Mon pothos, ben, il est en train de faire sa vie aussi. Donc lui, bon, je pense que je vais peut-être bientôt aussi, bon, je vais attendre le printemps, lui couper les bouts de tige et remettre dans le pot pour que ce soit plus fourni. Je vais voir au moment du printemps. Alors, deux petites plantes ici. Nos inséparables, c'est toujours à chouchou, ça. Alors, on va y aller doucement parce que sinon, ils sont nerveux. Voilà. Les inséparables de chouchou. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que madame, c'est la jaune. Et monsieur, c'est le bleu, je crois. Bonjour. Non? On fait pas les cuicuis? Pourtant, vous êtes bavard d'habitude. Non, un petit cuicui. Alors, mon dernier pothos. Là, on voit pas bien les couleurs, c'est dommage. C'est un golden. Donc, c'est un tout nouveau. Il y a un mois que je l'ai. Voilà, donc il commence à bien pousser. Là, il y a déjà une petite liane qui est en train de se faire. Voilà, donc celui-là c'est un golden. On est dommage qu'on voit pas bien la couleur. Voilà, voyez, les feuilles sont vert jaune. Ici, alors là j'ai marqué le nom. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai marqué le nom comme ça. Parce que c'est une feuille qui traînait par terre dans le magasin devant le rayon de fleurs. J'ai ramassé la fleur, la tige, elle était par terre. J'ai dit, pauvre petite tige, toute seule, elle va partir à la poubelle. Viens avec maman. Donc, elle est venue avec maman. Et puis, ben voilà, elle pousse. Voilà. Maman l'a pris, elle l'a ramenée à la maison. Elle ne voulait pas qu'elle parte à la poubelle. Donc, c'est un Peperomia. Peperomia quadrant. J'arrive même pas à me relire, mais enfin, vous voyez, hein. Peperomia. Donc, c'est la première que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est un Peperomia aussi. Hein. Voilà. Alors là, c'était juste une petite tige. Donc, il y avait ça, ça et ça. Et donc, maintenant, voilà. Voilà, elle pousse, elle fait sa petite vie. Elle était toute seule, par terre, dans le magasin. Faut pas laisser traîner dans les magasins. Alors, un autre pothos. Alors, lui, il est superbe. Alors, lui, il fait sa vie. Hein. Lui, vas-y, je m'accroche partout. D'ailleurs, il va falloir que je fasse attention parce que, regardez, vous voyez, il est en train de s'accrocher, mais alors partout. Bon, là, c'est moi que j'avais commencé à le mettre, mais maintenant, la branche est en train de partir, mais alors de partout. Voilà, elle s'accroche, là. Ici aussi, il y en a une qui part. Alors lui, il est super bon. Alors lui, quand je l'ai eu, il était quoi? Comme ça. Il faisait 30-40 cm. Et maintenant, je vais reculer pour que vous le voyez. Vous voyez? Il est beau, hein. Je l'adore, celui-là. Alors, à côté, mon petit Dracanea, un double, il y a deux troncs.
Lui, pareil. Bon, lui, il va falloir un peu que je le dépoussière, là, parce que je sais pas. J'ai dépoussiéré mes fleurs et mes plantes, et je crois que j'ai oublié celle-là. Non plus, ça va. Bon, c'est pas une plante difficile, hein, non plus, ça. Ensuite, une plante à chouchou, un mini dracanéa aussi. Donc, il y a un tronc. Oui, il n'y a qu'un tronc avec plusieurs tiges. Donc, il pousse bien. Voilà. Un petit dernier de la semaine. Un ficus caoutchouc. Donc, j'ai pris... Il y avait des feuilles foncées, celui qu'on connaît bien. Hein. Et donc, il y avait celui-là. Avec les feuilles marbrées comme ça, blanches sur les côtés. Donc j'ai craqué pour celui-là. Donc lui, ça fait une semaine qu'il est à la maison. Alors, elle était un petit peu grignotée là. Bon, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'envahisseur. Il n'y en avait pas. Mais les autres qui étaient au magasin, ils étaient un peu plus abîmés. Donc j'ai pris celui qui était moins abîmé. Et en plus, il a une petite pousse ici. Donc... c'était pas mal. Voilà, ici, la misère, bah, c'est la plante que je vous disais tout à l'heure, quand elle est tombée, il y avait une tige qui était cassée. Donc, elle, je l'ai rempotée bah, avant-hier. Voilà. Donc, je l'ai laissée 3 semaines dans un verre d'eau pour qu'elle fasse ses racines avant-hier, je l'ai rempotée. Et voilà une plante, je ne connais pas son nom, je ne sais pas si vous connaissez le nom de cette plante. Je ne sais pas le nom de cette plante. C'est une plante bizarre, toute grise, avec des oreilles, une queue, toute poilue. Hein? C'est quoi le nom de cette plante? Ah, Fifi! Fifi! Alors... On va changer de pièce. Ah non, mais j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est les miens. Mes petits mandarins. Donc, il me reste 2 mâles. Et son frère. Voilà, j'ai plus de femelles. J'avais plusieurs femelles. J'ai eu plein de bébés. Bon, je les avais tous revendus. Et pour l'instant, je garde que 2 mâles. Parce que bon, les mandarins, hein, ça fait crac-crac. Ça fait plein de crac-crac. Donc pour l'instant, ça va, c'est bon. Je reverrai peut-être au printemps, peut-être pour reprendre une femelle, je verrai. Mais là, bon, c'est 2 petits frères, ils sont contents ensemble. Alors, on change de pièce. Alors, ici, ça peut être un peu sombre, non? Voilà, alors là, c'est une bouture qui démarre tout doucettement. Alors, ici, c'est une que je suis en train de sauver, qui a du mal. D'ailleurs, il va falloir que je fais... Voilà, la terre, elle me fait des choses qu'il ne faut pas. Voilà. Normalement, il y avait 3 bulbes. Il y en a 2 qui ont pourri. Donc, je suis en train d'essayer de sauver le dernier bulbe. Bon, là, ça a l'air de tenir. Bon, il y a une petite feuille là qui jaunit. Il faudra que j'enlève. Ils ont pourri, je ne sais pas pourquoi, enfin, je pense que c'est à cause de la chaleur. Alors là, je fais une expérience avec ma plante araignée, c'est une bouture de plante araignée, mais je ne l'ai pas mis dans du terreau. J'ai dit, j'essaye. Je l'ai mis dans du... Voilà, les trucs d'orchidées. Vous voyez ? J'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais voir si ça pousse. Ça pousse, mais beaucoup plus doucement que dans le terreau normal. Mais bon, je le laisse pour l'instant puisqu'elle ne meurt pas. Par contre, il y a les graines qui poussent dessus. Un dernier zosio à chouchou. Son canari. Son petit canari. Bonjour. Bonjour le canari à chouchou. Canari chouchou. Il avait une copine, mais bon, elle a pu sa copine. Elle n'a pas tenu le choc. Elle n'a pas tenu le choc, ta copine. Ah, tu veux pas te montrer à la caméra? Non.
Il ne veut pas se montrer à la caméra. Ici. Alors, lui, il pousse bizarre. Mais je pense que c'est parce qu'il est trop à l'ombre. Donc, il faudrait que je le change de place. Bon, lui, il a été dehors. Il a été dans toutes les pièces. Il a mouru à moitié. Il a repris. Là, il reprend doucettement. Mais bon, bizarre. Ici, un autre cactus. Voilà. Qui pousse un tout petit peu, là. Mais c'est pareil, les cactus, ça faut que je change de place. C'est pas bon pour eux, là, cette place-là. Eux, il leur faut de la lumière. Alors, dans cette pièce ici, il n'y a rien. Alors, là, c'est là que je suis quand je lis vos messages, vous voyez, ou que je monte mes vidéos. Je me mets là. C'est la place du chef, là. Oh, tu vas encore te faire voir, hein. Et là, c'est Chouchou qui se met là. Alors ici, j'avais mon grand aquarium. Puis on s'est levé il y a une quinzaine de jours, le matin. Et puis, il y avait plein d'eau par terre. Plus d'aquarium, voilà. Il y avait une grosse fuite. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, le verre a fait une fuite. On ne sait pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, plus d'aquarium. Enfin, plus celui-là. Et du coup, maintenant, on en a un plus petit. et c'est là que la plante dont je vous parlais tout à l'heure était. Vous voyez, ici, elle était bien en lumière et tout. Elle se plaisait. Et donc, maintenant, on a deux poissons rouges. Voilà. Un. Il est où le deuxième? Ah, il est là. Et voilà le deuxième. Donc, on a dit, c'est bon, on garde ces deux petits poissons rouges. Ce petit aquarium, ça nous suffit. On veut plus de grand. Enfin, des fois, on dit ça, puis peut-être qu'un jour, on se retrouvera avec un autre grand aquarium. Mais bon. Donc, voilà, on a pris un petit. Ça, c'est ma petite fille. Donc, maintenant, la cuisine. Bon. C'est pas la cuisine des grands chefs, hein, mais voilà, mon petit Cookéo, ma vapeur, mon robot. Enfin, moi, je suis Madame Robot. Hein. Alors ici, ça y est, je sais plus son nom. Ah, je vous remarque en dessous. Alors, elle est super belle. C'était à la base une bouture, petite bouture, et maintenant elle est énorme. Alors quand c'est le moment, elle me fait des fleurs 5-6 fois du printemps jusqu'à début automne. Et là, je crois qu'elle me demande un petit rempotage parce que, vous voyez, elle est venue dans les mains. Voilà, elle commence à me faire des petites feuilles jaunes. C'est la première fois, ça fait 6 ans que je l'ai, et là je crois qu'elle me dit au secours, veux-tu me rempoter? Donc, faut que je vois, et c'est pareil, c'est pas la période, donc ça m'embête, mais bon, on verra. Ah, mince, je sais, je cherche son nom. Ouh, ça m'énerve. Alors, ici, une petite orchidée, que je viens de lui couper la tige fleurie, parce que elle a fini sa fleur, hein. Voilà. Ici, alors, je vais te descendre. Ah, voilà. Anoya, voilà, c'est ça, c'est Anoya. Je vous mettrai le nom exact. Alors, lui, bon, là, c'est une bouture. Donc, c'est pareil, c'est Anoya. Donc, là, c'est une bouture, mais il faut savoir que les Oya, c'est très, 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 très long à faire pousser et très long à avoir des fleurs. Moi, mon Oya ici, la première fois pour avoir des fleurs, ça a mis... il est plus vieux que 5 ans. Alors, ouais, 6 ans, je l'ai, ouais. Il a mis plus de 4 ans avant d'avoir les premières fleurs. Et donc, celui-ci, je l'ai depuis l'année dernière. Et donc, il commence seulement ici à me refaire à grandir ses petites tiges. Donc, de la patience, de la patience, de la patience. Donc ça, c'est un Oya Compacta India Rose. Donc, hop,
Voilà. Il ne faut pas être pressé avec les zoyas. Hein. Ici, encore mes petites orchidées. Voilà. Alors, j'adore, c'est celle-ci. Alors, attendez, je vais essayer de vous la descendre sans faire de bêtises. Parce que, regardez. Déjà, au niveau des feuilles, elle est magnifique. Voilà. Mais regardez ses racines. Regardez là les racines. Comment elles montent. J'adore. Là, il y a encore des racines qui vont monter. J'adore ces racines qui montent. Alors, pour vous dire, normalement, sur le... Ah non, je les ai enlevées. Il y avait des racines qui avaient collé au mur. Et là, alors, je ne sais pas si on voit... Oh, pardon, on voit mon doigt. Ici, alors, je ne sais pas si ça va être une racine encore. Et là aussi, je crois qu'elle va me faire des... Alors, attendez que je me mette bien. Ici et ici. Elle va peut-être me faire des tiges de... des hampes fleuries. Mais alors, celle-là, elle est super belle. Elle est trop, trop belle. Alors, celle-là, c'était une que mon fils m'avait offert. Mais je l'adore. Ouais, je crois que ça va être des hampes fleuries, ça. Et je crois que je vais en avoir deux. Ah, peut-être, oui. Bon, je la remettrai en haut après. Voilà. Donc, c'est les deux là-haut. Et j'en ai encore deux ici. Voilà. Et mes deux dernières plantes, elles sont là au-dessus du frigo. Donc, ma plante araignée, à la base, c'était une bouture. Et regardez comment elle est énorme. J'ai perdu la plante mère. La plante mère en a eu marre. Mais alors, je refais toujours des boutures avec ça. Voilà. Regardez, j'ai encore des fleurs. Voilà, quand je veux des boutures, bah, je prends ça, je mets dans l'eau et je refais les boutures avec. Et derrière, alors je vais essayer de me mettre dans le bon sens pour que vous essayiez de le voir. Voilà. Donc voilà. Donc toutes mes plantes, vous les avez vues. Je vous ai fait mon petit plan de tour. Hein. Vous avez vu toutes mes plantes depuis un an que j'avais fait la vidéo. Comme ça, vous avez vu le changement. Bon, j'en ai jamais assez des plantes. j'essaye d'avoir des boutures, mais bon, c'est extrêmement difficile d'avoir des boutures. Si jamais vous voyez les plantes que j'ai, voilà, si vous avez des boutures et de plantes que je n'ai pas, par exemple, voilà, ou des plantes un peu qui sortent de l'ordinaire, ou écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Ça me ferait plaisir d'avoir d'autres boutures. Voilà. Même si Chouchou, il dirait, hein. Je m'en fous. donc, n'hésitez pas à me le dire. Et non, Fifi reste là. Et puis, oula, ça fait contre-jour. Ah, bah attendez. Et voilà, on attend papa à la porte ici. Mes deux loulous attendent papa à la porte qui est parti à une visite du docteur. Non, 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 tu n'embêtes pas Fifi. Laisse-la, laisse-la, elle va te mettre une claque. Tu sais que Fifi ne se laisse pas faire. Pacha. Fifi, elle va te mettre une tape. Après, tu vas pleurer. Bon, allez, je vous laisse avec la photo, enfin la photo, en vous laissant Fifi sur la table avec les plantes. Voilà. Je vais vous faire à tous des gros bisous. Fifi aussi. Je vous laisse regarder. Regardez. N'importe. Je vous retrouve, ça y est, je ne sais plus parler. Je vous retrouve très rapidement
pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous, bisous, à bientôt.